Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour faire une nouvelle vidéo sur Yu Yu Hakusho 100% Magie Battle. Je sais récemment, je fais pas trop de vidéos sur Yu Yu Hakusho, mais je sais toujours l'actualité hein, de Yu Yu Hakusho. C'est juste qu'en ce moment, le site que j'utilise, les traductions, etc., n'est pas à jour. Déjà je suis un peu bloqué puisque le site, je vous dis, le site que j'utilise, les traductions des SP, etc., n'est toujours pas à jour, qui fait que en tout cas s'il y a moins d'analyse à l'heure actuelle, tant que le site n'est pas à jour, je sais pas faire grand chose quoi. Surtout que moi j'en ai besoin, parce que en plus j'ai certains personnages qui sont maxés. J'aimerais faire des tests, mais moi j'aime bien avoir en plus leur analyse. Mais tant que le site est pas à jour, moi je peux rien faire quoi. Si je pourrais tester le personnage, mais s'il y a des trucs en plus sur le personnage, je veux dire ce qu'il fait, etc. Mais après, si je fais comme ça un peu à l'aveugle, c'est approximatif quoi. Moi j'aime bien avoir on va dire le truc en complet quoi. Donc, les traductions des SP, etc. Ça c'est que c'est pour vous, c'est aussi valable pour moi hein. Parce que forcément, vu que c'est en japonais, moi je préfère vu que le site est en anglais, c'est plus pratique pour connaître certains personnages quoi. Donc ici voilà, c'est en ce moment y a pas trop de vidéos, c'est parce que voilà, je suis bloqué sans les traductions, je suis totalement bloqué. Pourquoi il est pas à jour là, autant voilà, faire déjà bientôt 2 mois hein, que le site est pas à jour. Donc déjà ça fait un peu chier. Voilà, donc déjà hier ils ont lancé donc ça fait, c'est comme l'année passée hein, la célébration des 1 an et demi. Voilà, c'est comme si on fêtait des anniversaires tous les 6 mois hein. Voilà, pour vous donner un avis comme ça hein. Bon voilà, donc ça a commencé hier l'anniversaire. Je vais vous expliquer ce qui est en plus, voilà, c'est intéressant, ça reste intéressant quand même. Donc tous les jours vous aurez 10 tickets en bonus de collection qui vous permet de faire une multi gratos. Voilà, tous les jours vous avez une multi gratos jusqu'à la fin. Vous aurez un ticket garanti qui vous garantit, c'est un 5 étoiles. Donc tous les jours vous aurez un bonus de collection avec 10 tickets. On va taper. Forcément, c'est le personnage du moment. Donc, on verra après. Ça, on verra après. Ok. Donc, voilà. Donc l'anniversaire a commencé hier. Hein. Donc tous les jours vous aurez donc vous avez reçu normalement un objet pour les 1 an et demi. Voilà, c'est ça. Donc tous les jours vous aurez 10 tickets par jour, ce qui vous permet de faire une multi, et à la fin vous aurez un ticket 5 étoiles garanti. Voilà. Donc ça vous garantit un 5 étoiles. Bon, pour l'instant c'est pas j'ai fait 2 multi hein. Pour l'instant j'ai rien eu de spécial. Voilà, toujours ça fait un multi gratos. Voilà. Donc il y a un événement à faire, donc il y a un événement à un point, etc. Donc il y a ceci. Bon, c'est un petit bonus, ça à faire. Pour récupérer une multitude d'objets. Sur Twitter, ce qui est bien, il y a une mission avec Twitter. Si vous rejetez le truc, vous aurez tous les jours 5 orbes par jour.
Donc ici, il y a un truc spécial avec Yu Yu Hakusho. En fait, ils vont envoyer plusieurs questions pour répondre. Donc il y a Yusuke Urameshi. Aujourd'hui, c'est Toguro, il faut savoir quelle est sa vraie forme de base. Ça, c'est la forme 100%, ça, 160%. Disons que c'est la forme 62%, 80%, pardon. Toujours, il y a une question, c'est pour gagner des trucs. Voilà. Donc, l'event à point, comme d'habitude, hein. Je conseille de le faire. Hein. En plus, c'est rapide, hein. C'est pas comme si. C'est ultra rapide. Donc, c'est la même chose, hein. Parce que 10 000 points. Pour l'instant, ça n'a pas changé, quoi. Donc, en un jour. Moi, personnellement, en un jour, c'est fait. Hein. Donc, il y a des tickets à récupérer. Plus les 250 orbes à récupérer dans l'event, c'est toujours ça de gagner. Voilà, si vous banquez multi, voilà. Avez toujours ça. Et en plus des missions, donc des personnages qui ont été rajoutés. Donc c'est toujours plaisant. Donc des unités qui ont été rajoutées hein, dans les portails. Oh ouais, l'event, en fait, en format tous les jours, en fait, il y a un event qu'ils ont rajouté des unités dans l'event. Je sais pas si je peux vous montrer. Donc, dans l'event, donc, une fois par jour, normalement, vous avez. Pas si je peux voir, non. Voilà. Donc, ici, ils ont rajouté des unités en plus dans l'event qui vous permet d'avoir des passages par jour. Ils ont rajouté des unités en plus. C'est quand même cool. Après, il n'y avait pas tout le monde dans les unités gratuites à farmer. Un ticket, ok. Donc forcément, on va analyser les nouveaux personnages qui sont Mukuro et un nouveau IE. Comme d'habitude, hein. Là, ce sera une analyse à chaud. Hein. Les personnages, tant qu'il n'y a pas les traductions, ça c'est un peu chiant, ouais. C'est un peu chiant. Donc il y a un palier, forcément. Si vous commencez à peine, forcément, ça vaut le coup, hein. Ce qui est bien, ça vous garantit l'un des deux. Donc faut compter 250, 450. Là, ça fait 250, 450, 950, on va dire compter 800 pour faire un palier quoi. Sans vraiment faire deux, c'est bon quoi. Donc on va commencer par Mukuro qui est dans Rayon TSP. Une fois maxé, c'est 16 348 en total de puissance. 7 280 en stamina. 1596 en attaque. 2808 en défense. 8 240 en spé. 648 en vitesse. Donc il y a un malus, ça faudra attendre la traduction si le site est à jour. Et elle se renforce, elle peut renforcer. Est-ce qu'elle peut renforcer tout le monde? Ça c'est. Donc elle a des chances de brûler. Elle résiste aux flammes. Et là, ça faudra voir qu'est-ce que c'est. Donc peut-être qu'elle peut renforcer les violets, hein. C'est pas impossible. Ensuite, IE, qui est déjà sa cinquième version. Hein. Le précédent, c'est il n'y a pas très longtemps. Donc, IE version rouge, fait anti-attaque. Une fois maxé, c'est 16 225 en total de puissance. 7 464 en stamina. 8 136 en attaque. 2 736
En défense, 1556. En speed, 658. En attaque. À mon avis, c'est une attaque, à mon avis, il y a des chances qui brûlent. Hein. Ouais. Ça faudra voir sur le tas. Il peut renforcer, se renforcer, peut-être aussi avec les autres. Donc il y a des chances de faire des critiques. Il résiste au stun. Ça faudra voir sur le tas. Ok, voilà. Donc le Brazon, il n'y avait pas. Donc la version bleue, il n'y a pas très longtemps qu'il était sorti. Donc voilà. Maintenant, je vais de quoi faire. J'ai de quoi faire deux multi là-dessus. En ce moment, j'ai quand même pas mal invoqué hein, sur certains portails entre temps. J'ai même invoqué sur le portail du milieu de moi. Que je fais rarement d'habitude. Hein. J'ai fait la multi à 100. Et j'ai eu L. Voilà, sur la multi à 100. Et j'ai eu aussi le support en même temps, donc sur le multi à 100, j'ai eu le support avec. Voilà. Donc j'ai eu les deux là sur la multi à 100. Plutôt correct, hein, franchement. Voilà, sinon, voilà. Sinon, pas grand chose. C'est par ces deux là, rien de plus. Bon, forcément, on veut les invoquer. Hein. C'est forcément Mokuro. C'est un personnage que j'aime bien. Donc, facilement. On sait jamais, en deux multi. Il y a peut-être moyen d'avoir l'un des deux. Allez, mettez un max de plus douce pour dropper quelque chose. Oui, j'ai envie d'avoir l'un des deux. Allez, on sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Il y a moyen d'avoir quelque chose. Deux. Trois. Quatre. Non. Non, 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 non. Comment on vient? On commence bien. Et j'ai passé pour la prochaine. C'est pas grave. C'est pas grave. En soit, donc il y a des missions en plus. Hein. On disait il faut juste farmer donc là il faut juste faire les invocations etc. Donc ici il faut juste farmer un petit peu ici. Donc ici il faut juste renforcer un personnage ensuite ok, ça c'est juste former le mode histoire. Ouais, il faut juste appuyer hein, en fait, hein, savoir ce qu'il faut faire. C'est pas compliqué. Et ici, il me semble que c'est les armes. De quoi là, il faut juste acheter. Voilà. Et je ferai. Sauf si je forme un petit peu, c'est quoi? Je forme un petit peu l'événement, comme ça je fais la moitié à 150. Je forme un petit peu. Normalement, le levelement n'est pas difficile. Hein. C'est cas, c'est bien quand même. Ce genre de level, c'est ultra simple.
Continuer un petit peu, deux fois. Après là, je pense que je vais le garder pour plus tard. Je pense pas que je ferai tout le palier. C'est forcément tentant, hein. Forcément, mon gros, c'est ça m'attire facilement. Encore une fois, je pense qu'on sera bon. Voilà, normalement j'ai de quoi faire la Mickey à 150. On est parti pour faire la dernière. Je sais pas si je ferai le reste. Je verrai. Allez, si jamais la première Mickey nous apparaît ici. Allez. Au moins l'un des deux, je serais content. L'un des deux, je serais content. Là, ça sent pas bon. S'il te plaît, s'il te plaît. Faut que juste qui apparaît dans le ciel. Hein. Faut que ça garantisse quelque chose. Non. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ça y est, je dois décider de. Non. Cette fois-ci. J'espère que je ne vais pas aller jusqu'à la garantie pour l'avoir un des deux, quoi. C'est un peu chiant. Si je vais jusqu'à la garantie. Je verrai si je ferai la suite ou pas. Donc voilà.
C'était une vidéo sur Yu Yu Hakusho 100% Magic Battle. Donc en ce moment, s'il n'y a pas trop de vidéos, malheureusement, c'est que je suis cassé. Comme je vous dis, le site, comme le site que j'utilise pour les traductions n'est pas toujours à jour, c'est compliqué de vous faire d'autres vidéos. Surtout que j'ai envie de vous faire. J'ai maxé le free to play Yusuke. Donc faire un analyse complet, mais. Tant que les traductions sont parfaites, c'est compliqué. Donc, surtout que je dois vous faire des analyses de certains personnages, mais tant que le site n'est pas à jour, c'est compliqué. Et voilà. Après, j'ai cherché un autre site hein, pour les traductions, mais je l'ai trouvé au gars. Donc, j'espère que le site sera à jour bientôt. Si le site est à jour, ben, je ferai les traductions. Ça sera un peu en retard, hein, désolé. J'aurais dû faire ça plus tôt, hein. En tout cas, si le site est à jour, je ferai les analyses, mais je disais si certains personnages arrivent un peu plus tard que prévu, hein. Tant que le site n'est pas à jour, je peux pas faire grand-chose. C'est voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez ce que j'ai reçu. Si vous commencez à peine, forcément, faites le palier, hein, vu que ça vous garantit un 5 étoiles, hein. C'est ce qu'on va faire. On fait des multis gratuits, hein, gratuits tous les jours là. Qu'on vous offre des tickets. Multi à la fin. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça vous garantit un 5 étoiles. Donc voilà. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.